liberté est bien emprisonnée. Les dirigeants parlent juste pour s'entendre parler. Il nous faut la paix, arrêtez donc de crier. Baisse le monde. Appelez les autres. Mais nos vies sacrifiées et nos classes saturées, nos routes éventrées pour un pays en paix. Baisse le monde. Bonsoir. Où la loi s'applique. Appelez les autres, partagez le direct, s'il vous plaît. Des fausses hérissées. Passons aux choses sérieuses, s'il vous plaît, passons aux choses sérieuses. Il nous faut l'État, son citoyen averti. Nous sommes seulement à combien? 14? 14 seulement? Maman, bonsoir! Bonsoir, partagez, partagez s'il vous plaît, partagez! Alino, bonsoir, comment tu vas? La liberté est bien emprisonnée. Les dirigeants parlent juste pour s'entendre parler. Il nous faut la paix, arrêtez donc de crier. Baisse le monde. De bongo à bongo, 50 ans de bongo, de richesse à gogo pour un petit pays, vraiment. De bongo à bongo, 50 ans de bongo, de richesse à gogo pour un petit pays. Tout ça, c'est pour les bongos seulement. Mon Dieu, 50 ans. Tu passes à gauche, les bongos, tu passes à droite, les bongos. C'est quoi cette histoire des bongos? On doit couper court avec les bongos. Voilà. Moi, depuis que je suis sorti, ça fait 3 ans, nous sommes engagés. Depuis que je suis sorti, il n'y a pas d'organisation. Il n'y a pas d'organisation.
Il n'y a pas d'organisation depuis ma libération. D'abord, depuis, il n'y a pas d'organisation. Ça fait 3 mois. Et si on continue sur cette voie-là, on ne pourra pas chasser la dictature. Aujourd'hui, nous avons l'Internet. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. En gros, on a tout. On a déjà tous les outils, hein, capables de nous permettre de chasser les bongos. Tous les outils sont déjà à notre portée. L'organisation, ça coince. Ça coince pourquoi? Parce que il y en a qui continuent à penser que les bongos d'avant, il faut me suivre, et les bongos de 1967 jusqu'au bongo de maintenant, on a l'impression, les Gabonais continuent à penser que ce sont les mêmes bongos. Mais le bongo d'aujourd'hui, Ali est foutu, Ali est mort, Ali est cadavéré. Donc on n'a plus en face de nous les mêmes là, les mêmes qui étaient violents, qui étaient méchants, qui passaient le temps à enlever nos parents. On n'a plus le bongo qui mettait les Gabonais au poteau. C'est fini tout ça. Parce que les réseaux sociaux sont arrivés. Les nouvelles technologies sont là. Pour empêcher aux bongos de maintenant de faire les pratiques qu'ils avaient à l'époque. Donc, de grâce, arrêtez de vous cacher derrière la peur. Arrêtez de vous cacher derrière les bongos, les vieilles choses que les bongos d'avant faisaient. Ali n'a pas les capacités de faire ce que le vieux bongo faisait à l'époque. Ali n'a pas ces capacités-là. Parce que les réseaux sociaux sont là. Moi-même, j'ai eu la chance, j'ai eu cette grâce-là de rentrer, de ressortir. Parce que les réseaux sociaux existent. Parce que j'ai passé tout mon temps à affronter ces gens-là dans les réseaux sociaux. Donc, de grâce. Donc, de grâce, sortons de ces bêtises-là. Moi, j'appelle ça les bêtises. Sortons de ces bêtises-là, organisons-nous. Ma vidéo précédente, la vidéo passée, je vous ai expliqué un peu comment les étrangers font. Ils arrivent au Gabon. Comment les étrangers s'organisent? On peut utiliser les mêmes méthodes. Les étrangers se mettent par petits groupes. Bon, enfin, quand ils arrivent au Gabon, ils cherchent leur communauté. Ils se mettent ensemble. Marie-Cécile, bonsoir. Les étrangers se mettent ensemble. Ils s'entraident. Ils font des cotisations et c'est comme ça, vous voyez les étrangers, 1 mois, 2 mois, 6 mois plus tard, quelqu'un qui est venu 2 pieds de main, il arrive au Gabon, 6 mois plus tard, il est déjà sur les rails. Mais nous, on passe le temps, on est divisé, on passe le temps, on marche chacun dans son coin. Nous sommes dans une résistance. Et chacun marche dans son coin. Ce n'est pas normal. Donc, organisons-nous. Il n'y a pas d'autre chemin pour libérer le Gabon. Moi, j'ai entendu les gens dire non, Ping, qu'est-ce que Ping attend? Qu'est-ce que Ping fait? Mon Dieu. Nous devons aider Ping à chasser la dictature. Ping avait dit, lorsqu'il était à droite, Ping avait dit ceci.
Battre les bongos, ce n'est pas compliqué. N'importe qui peut battre les bongos. Je peux prendre l'exemple de François Binet ici. Si François s'organise, il va battre les bongos. Mais le grand problème, c'est comment accéder au pouvoir. Et pour accéder au pouvoir, il faut s'organiser. Si on ne s'organise pas, on peut faire 5 ans, 10 ans, 20 ans, on est en train de combattre ces gens-là. Bon, je vais revenir sur les exemples que je vois, les choses qui sont devant nous, à notre portée. Moi, j'ai vu, par exemple, sur Facebook, il y a des groupes, à gauche, à droite, il y a des groupes. Mais des groupes qui passent le temps à dénoncer seulement. Le travail, matin, midi et soir, ils passent le temps à publier, discuter. Mais ils ne sont pas organisés. Ces gens-là ne font pas de cotisation. Ils sont dans des groupes, mais des groupes fragiles. Des groupes qu'on peut casser comme ça en un claquement de doigts, même en un clic seulement. Donc, pour rendre nos groupes solides, il faut faire des cotisations. On ne demande pas aux gens de se ruiner. On ne demande pas aux gens de prendre leurs économies et aller jeter dans ces organisations-là. Non, il y a des montants qu'on peut fixer. On peut fixer des 5 000 par mois, des 5 000 par semaine. Ça dépend du groupe, la force du groupe. Donc, on a déjà des groupes qui sont établis. Ce qui manque seulement, c'est de solidifier ces groupes-là avec des espèces de caisses de cotisation. Sans cotisation, sans organisation, on n'ira nulle part. Je vous jure que le cadavre d'Ali, son cadavre qui est là, que vous tous vous connaissez, son cadavre-là peut nous gérer tout le temps que ça prendra. Donc, de grâce, on a déjà des groupes qui sont positionnés. Dans ces groupes-là, mettez juste des caisses dans des cotisations dedans. Je vais prendre encore un exemple vraiment qui va vous démontrer que vraiment sans cotisation, nous ne sommes rien. Prenons le cas de, il s'appelle comment, Crépin, l'activiste Alain Barrené. Prenons un peu son cas. Au niveau du Gabon, il n'y a pas une organisation capable d'aider ce petit-là. Rien n'est mis en place pour bien aider ce petit-là. On ne demande pas de l'aider à hauteur des millions ou bien à hauteur des milliards. Mais seulement une simple cotisation capable de soutenir ce garçon-là. Ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas organisés. Nous ne sommes pas organisés. Voilà un autre salopard, Sidor Zang. Sidor Zang, j'ai fait des coupures de 500 francs. Je vais te faire des RTL monnaie tous les jours, les 500 francs. Oui, parce que c'est ça ta valeur. Ta valeur, c'est ça. J'ai fait des coupures là parce que je savais que tu devais arriver. Moi, je vais t'envoyer des Airtel monnaie de 500 francs pour t'humilier, pour t'insulter. Tous les jours, je vais t'envoyer les Airtel monnaie de 500 francs. Je sais que je vais vérifier si ton numéro là, si ça existe encore. Voilà, ça c'est pour, voilà, c'est pour Sidor Zang, ce salopard là. Tu avais pris mon argent parce que ton enfant mourait de faim. Mais toi, Sidor Zang, tu t'es permis comme ça d'insulter ma mère, tu t'es permis de m'insulter, tu te permets de tout.
Mais moi, je vais t'humilier. Toi, voilà ta valeur, c'est les 500 francs. Tu es comme les policiers que je vois, les policiers qui passent le temps matin, midi et soir. C'est ça là, Sidor Zang. Tu ressembles à ça, les 500 francs. Comment quelqu'un comme toi, Sidor Zang, je ne sais même pas, avec l'éducation que tu as, je sais, tu es réduit à des 500 francs. Tu te ranges derrière quelqu'un qui a pillé le Gabon toute une vie. Tu passes ton temps à insulter les gens, n'importe comment. Mais Sidor Zang, on va te rattraper. On va te rattraper. Ça, c'est, moi, je suis en train de te dire des vérités. Tout le petit désordre que tu es en train de faire, là, on va te rattraper, Sidor Zang. Moi, ce que je suis en train de faire, l'organisation que je suis en train de démarrer là, Sidor Zang, on va te rattraper. Voilà, donc, j'ai terminé avec Sidor Zang, je continue. Moi, je suis allé prendre de l'argent. Je suis allé prendre de l'argent parce qu'il faut aider, quelqu'un. Mais si à moi seul, je prends tout ce que j'ai comme argent, comme économie. Prenons un exemple. Le petit là-bas, ils ont besoin de 300 000 pour lui. Ils ont besoin de 300 000. Mais 300 000, comment on fait pour réunir 300 000 facilement? Si on était organisé, si on avait des caisses prêtes, posées, depuis 3 ans, si on essaie de calculer combien quelqu'un pouvait, quelqu'un qui donnait par exemple 15 000 le mois, à lui seul, quelqu'un seul, 15 000, multiplié par, c'est combien, 36 mois, 3 ans, 12, ça fait 36 mois. Essayez de voir combien de fois on pouvait emmagasiner de l'argent. Et avec cet argent, on pouvait facilement chasser la dictature. Mais c'est pas, nous ne sommes pas en retard. Si on n'a pas pensé à ces choses-là depuis, c'est le temps de mettre ça en œuvre. Vous pouvez vous raccorder, même avec les gens de l'étranger, même avec les gens bon, entre nous ici sur place au Gabon. On peut se raccorder entre nous. Vous choisissez vos groupes. Des gens avec qui, si vous accordez déjà, marchez ensemble. On n'a pas besoin d'aller fabriquer des groupes compliqués. On se connaît déjà tous. Marchez avec des gens honnêtes. Bon, les malhonnêtes, ils peuvent rentrer. Mais si vous sentez que quelqu'un a des esprits tordus, si vous sentez que quelqu'un, vous le balayez, c'est vous qui fixez vos règlements dans les groupes. Les groupes de 10 personnes, 15, 20 personnes. On n'a pas besoin de gérer des milliards de personnes ou bien des millions de personnes. Les étrangers, quand ils arrivent au Gabon, ben, ils ne vont pas là où ils sont 1000, 2000 personnes. C'est des petits groupes, des cellules. C'est comme ça qu'ils arrivent à nous dominer dans notre propre pays. Des simples organisations. Alors on peut faire la même chose. On peut faire la même chose. Oui, mais le problème, le Gabonais ne veut pas laisser les affaires de 5 000. C'est parce que ceux qui sont ceux qui font la dictature, ceux qui ont passé le temps à piller le Gabon, hein, Lisa, il faut me suivre. Ceux qui ont passé le temps à piller le Gabon ont compris que puisque nous ne sommes pas organisés, puisqu'on n'a rien, on n'a pas de caisse de résistance. La plupart là, on est fauchés. Mais qu'est-ce qu'ils font? Il suffit de miroiter. Ils miroitent, ce sont les mêmes billets. Le PDG utilise le même argent. L'argent que nous, on prend, on cache dans nos maisons. Et parfois même, on ne fait rien avec. On passe le temps à partager inutilement. Je ne sais pas, aux gens qui ne méritent même pas cet argent-là. Mais le PDG
Ils savent en face qu'ils ont des gens qui n'ont rien, des gens qui sont fauchés. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent l'argent qu'ils ont volé depuis qu'ils sont là. C'est 50 ans de bongo, c'est pas petit, hein? Ils sortent ça pour... C'est des histoires de 1000 francs. Parfois, ils arrivent à les regrouper comme ça. Mais quand il faut payer maintenant, quand il faut distribuer l'argent, mais les gars disparaissent. Donc, ils vous déportent, ils prennent les gens, ceux qui ont des soucis d'argent, ils récupèrent ces gens-là depuis leur quartier. Arrivés au lieu de paiement, les gars disparaissent. Donc, vous voyez, parfois, on les trimballe gratuitement. Ils vont faire le nombre. Mais quand l'heure du paiement arrive, ils disparaissent. Donc, on roule même. Fargeon, même lui-même, il a dit qu'on a passé le temps, vous roulez avec la bière. On vous donne la bière, et puis voilà, on vous a roulé toute la vie avec la bière. Mais c'est parce qu'ils savent qu'en face, nous ne sommes pas organisés. Hein, Lisa, commençons par nous organiser. Tu vas voir que cette histoire de 5000, des t-shirts, ils ne pourront plus. Moi, je sais, moi, personnellement, je sais que j'ai ma part d'argent. J'ai ma part d'argent. Donc, le fait que j'ai ma part d'argent, moi, le PDG ne peut pas sortir 5000. Ils vont sortir 5000 devant ce que moi j'ai. Attendez, moi je gagne sans travailler, je gagne pratiquement 700 000. Vous pensez que Fargeon, en sortant ces 5000, vous pensez que moi je peux me déporter, aller soutenir parce que Fargeon a sorti 5000? La preuve, moi quand je sors, Fargeon avait préparé 16 millions. Mais moi, je sais que j'ai une valeur, je suis au-dessus. Moi, j'ai une valeur qui est au-dessus de... Moi-même, la prison que j'ai eu à faire, c'est plus de 30 millions que j'ai perdu. Mais quelqu'un vient me miroiter 16 millions. Mais je ne prends pas. Donc, commençons par nous organiser, par marcher en gros. À marcher en groupe. Des groupes de 5, des groupes de 10, des groupes de 20. Si vous pouvez faire des groupes supérieurs à 20, c'est bon. Ce qu'on veut, ce que moi je veux, ce que je veux, c'est qu'il y ait une organisation, qu'il y ait des groupes puissants, des groupes capables de dire mouf au système PDG. Moi-même, j'ai été le modèle, l'exemple. On m'a miroité l'argent, j'ai refusé. J'ai refusé. J'étais à 3 mois de prison. Hein. J'étais à 3 mois de prison. Même pas 3 mois, je pense, j'étais à 1 mois comme ça. Le directeur de la prison, Paul Mitombo, est venu me voir. Il m'a dit, mon petit, la porte... Ma porte est ouverte. Celui, on avait remis on l'avait donné la mission. On lui avait donné la mission de me corrompre, de chercher à me corrompre, puis voilà, il me libérait tranquillement. Il m'a dit, ma porte est ouverte. Tu touches mes matons là, mes éléments, hein, ils vont t'amener chez moi. Mais m'amener chez lui, les portes sont ouvertes. C'était la corruption. Mais moi, comme je ne tombe pas dans la corruption, moi je ne suis pas, moi je suis pas le genre que la corruption peut emballer. Vous avez vu l'autre, Massavala. Massavala est tombé net dans la corruption, net. Il est tombé là-dedans. Et il paraît même qu'on l'a roulé dans la farine. Donc moi, j'ai regardé, j'ai dit non. C'est pas possible. Un, vous m'avez arrêté pour rien. Je ne dois rien au système. Je n'ai jamais pris leur argent.
Comment il me dit, la porte est ouverte, mon petit, il faut chercher à me voir. Donc moi, je devais aller demander, je devais aller faire une note, où je demandais pardon à Ali Bongo. Non, voilà, Ali, hein? Tu m'excuses parce que j'étais offensé, voilà. Mais moi, je fais la note à Ali, mais moi, je ne dois rien à Ali, je ne dois rien du tout à Ali. C'est le contraire. Ali s'était levé un matin, il était venu détruire ma part de vie. Donc ma colère est là-dedans. Je me suis levé et puis j'affronte la dictature parce que je ne suis pas d'accord. Fils de président, président dictateur, comme tu es fils de dictateur, tu penses que tu vas venir faire la dictature à n'importe qui. Moi, j'ai refusé ça. J'avais ma part de vie, je gagnais tranquillement ma vie dans mon coin. Donc, quand on vous dit organisons-nous, c'est pas parce qu'on veut, on est en train de s'amuser, c'est parce qu'on veut chasser la dictature. Donc, il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de compliqué dans ça. Allez demander aux Burkinabés, ils vont vous dire, il n'y a rien de compliqué dans ça. On est là, on passe le temps à dire non. On viendra t'arrêter, on va te tuer, on va ceci, cela. Ça, c'était les choses d'avant. C'est Bongo qui avait amené ces pratiques, il y avait les Français. Ils ont compris que l'homme noir avait peur du fusil. L'homme noir a peur de tout. Et donc, ils ont mis en place tous les mécanismes, hein, pour répandre la peur à gauche, à droite. Ils utilisent même les Gabonais. Vous allez entendre quelqu'un qui va vous dire « Non, attention, on viendra t'arrêter, attention, on va te tuer, attention, ils sont méchants, ils sont ceci. » Mais lui-même, il n'a jamais même vu ce qu'il raconte là. Il raconte seulement des choses qu'on l'a pompé dans les oreilles. Regarde-moi ce... Mais Sidor, toi, on t'a dit que toi, voilà. Toi, tu te bats pour les 500 francs. Toi, on t'a envoyé sur terre. Toi, on t'a envoyé sur terre pour venir te battre pour les 500 francs. Tu es là, on ne sait pas. Ou, comme depuis, on a fini de te péder, tu quittes là-bas avec le sperme mon cul, tu viens, c'est pour venir déranger les gens. Regarde à quel niveau tu es, Sidor Zeng. Regarde à quel niveau tu es. Tu meurs de faim chez toi. Tu viens défendre les gens qui sont en train de tuer. Même ton propre enfant en train de mourir de faim. C'est moi qui avais acheté le lait à ton enfant la dernière fois. J'ai pris mes 10 000, j'ai envoyé. Parce que ton enfant mourait de faim. Mais tu viens, toi, maintenant c'est toi, tu te dresses pour insulter les gens. Mon Dieu, on t'a fait boire le sperme là où tu reviens, mais tu viens, c'est pour venir déranger les gens qui veulent libérer le Gabon. Sidor, moi je te dis, reste, tu ne peux pas te bloquer, reste là. Moi je veux te sensibiliser. Tu manques d'éducation de base. Je ne sais même pas, c'est sûr que tu as même encore dormi dans les inondations. Moi, quand je te vois là, tu as dormi dans les inondations. Reste sur ma page. Moi, je ne veux pas te chasser. Moi, je vais te sensibiliser. Toi, tu es incapable de prendre une simple caméra, te filmer. Comme tu dis que tu es un, je ne sais pas quoi, tu défends Ali. Prends une caméra, on veut te voir. Ce n'est pas les trucs que tu fais dans le noir pour les 500 francs. Parce qu'on t'envoie les 500 francs, tu penses que c'est 500 francs qui va te sortir de la misère. Regarde même, tu es un malhonnête. Tu veux que je te sorte le message en question? J'ai le message, c'est dans mon téléphone. J'ai le numéro de ta femme, c'est dans mes affaires. Moi, j'ai toutes les preuves. Tu
Là, tu regardes moins rigolo comme ça. Bon, le truc est simple. Mettons-nous en groupe de 5, 5, 10, 10, 15, 15, 20, 20. Le truc est simple. Sidor là, vous allez voir qu'on va le rattraper. On va rattraper Sidor. Donc, regarde-moi quelqu'un. On ne sait même pas où tu dors. Ali Bongo t'a damé le marteau à la tête. Tu viens raconter qu'Ali Bongo t'a frappé le marteau à la tête. C'est toi qui viens encore, qui viens parler des résistants. Tu étais résistant avant, non? Qu'est-ce que tu deviens? La femme des autres. Bon, c'était un peu ça ma contribution ce soir. Mettons-nous en groupe de 10-10. Oui, j'ai failli oublier. Il y a Stéphane Zeng qui a perdu sa maman. J'envoie ma part de cotisation. Je prends ma part, j'envoie. Il y a le petit Alain Barrené qui a arrêté. Je prends aussi ma part, j'envoie. Mais si on continue comme ça, sans organisation, il y a un problème, on prend, on envoie. Il y a un problème, on prend, on envoie. On ne va pas s'en sortir. Si on est dans des groupes soudés, hein, si on est dans des groupes soudés, des groupes organisés avec l'argent, je vous jure, 2 mois, 4 mois, 6 mois, le PDG va disparaître. Mais si on continue dans le désordre, comme nous sommes en train de faire là, si on continue dans ce désordre, ça va nous prendre 5 ans, 10 ans, voire même 20 ans. C'est une vérité que je suis en train de vous dire. Donc, de grâce, organisons-nous. Hein? Organisons-nous. Chaque fin du mois, on peut se retrouver dans nos groupes. On fait une réunion mensuelle. Ça avance. On a cotisé. Si vous êtes 10, chacun a cotisé 15 000. Ça fait 150 000. Si nous sommes 20, ça fait 300 000. Le mois qui suit, nos caisses se remplissent. Et puis, ça ne veut pas dire que après la résistance, que cet argent va se volatiliser. Non. On peut même dire, bon, écoutez, vous avez cotisé, hein, on recoupe, on dit, chacun reprenez votre argent. Hein, donc, ce n'est pas de l'argent qu'on va mettre là-dedans et qui pourra disparaître. Il y a les systèmes, aujourd'hui, on a fait des systèmes pour conserver, pour mieux garder l'argent. Il y a les Airtel Money qui sont là. Il y a les mobiles cash qui sont là. Demandez à Sidor, il en sait quelque chose. Il en sait quelque chose. Lui-même, il a passé de résistant en résistant. À commander les 500 francs à gauche, à droite. Si on fait un calcul, s'il aurait pu, s'il réussissait son coup, hein, 500, 500, 500, multiplié par 1 million de Gabonais. Mais Sidor, il devait être riche aujourd'hui. Mais il a raté son coup, ça n'a pas marché. C'est pourquoi vous voyez la colère, sa colère, la colère, la haine qu'il a envers les résistants. Son truc n'a pas marché. Donc il passe son temps maintenant, c'est insulter l'argent, c'est insulter les gens. C'est... Mais voilà ta part, Sidor, c'est là. Voilà ta part, les 500. Je vais t'envoyer ça tous les jours. Renvoie-moi le numéro de ta meuf là. Je vais m'occuper de ta femme et de tes enfants. Bon, je ne sais même pas si tu as... voilà. Moi, je n'ai pas besoin de... Moi, je ne suis pas comme toi. Moi, je n'ai pas besoin de l'argent. J'ai dit ceci. C'est des groupes de 10-10, 15-15. Et des groupes organisés. Personne ne va voler. Si toi, si tu rentres dans un groupe, tu vas aller truander les autres. Parce que tu marches à l'idée, hein, du vol. L'idée du détournement, tu marches avec.
Toi, on ne peut même pas te prendre dans un groupe. Même si, comment on appelle ça, même si tu cherchais à changer. Parce que tes habitudes, on connaît. Comme les gens ont compris ton truc, que tu étais un escroc, tu t'es rabattu, tu es allé au pouvoir, l'autre côté. Mais l'autre côté, je ne sais même pas si on arrive même à te donner, même ne fût-ce que 200, 300 000 au mois. Je ne sais même pas s'ils ont, ils ont la force de te... Qui peut même te donner 200 000, toi? Qui peut te donner 200 000? Qui peut? Alors que moi, je peux... Moi, j'étais prêt à t'envoyer 100 000. Moi, j'étais prêt. Sortant de ma prison, j'étais prêt à t'envoyer 100 000. Les autres m'ont dit, oh, attention! Ça, c'est un escroc. Tu comprends? Moi, c'est parfait. Parfait qui m'avait dit, attention, n'envoie rien du tout. J'étais prêt. Hein, Sidor, j'étais prêt à t'envoyer 100 000 francs. Voilà. Donc, moi, quand je vois un éminent docteur comme toi, où tu soignes les chiens, où tu soignes les fous, je ne sais même pas, tu es docteur de quoi? Tu viens, tu passes ton temps à demander les 500 francs. Moi, ça me dépasse. Sidor, ça me dépasse. Toute une vie, tu es derrière les 500 francs. Bon, on va relancer le son. Pour sensibiliser notre ami. Voilà, donc la famille partagée. Moi, je suis dépassé. Dépasser la misère qui sévit au Gabon là, ça me dépasse. Regardez, ils ont transformé le pauvre Sidor. Un gars qui était bien comme ça. Seulement au cours de 500 francs là, transformé en escroc. Regardez ce que les gens se cachent. Pour s'entendre parler. Voilà. Donc rapportons-nous, marchons en groupe, faisons des groupes de 5, de 10, 10, de 15, 15, de 20, 20. Avec des cotisations là-dedans. Vous allez voir que le PDG ne va pas nous résister. Eux, ils sont presque tombés, sans organisation. Si on ajoute l'organisation, ces gars-là vont tomber, il n'y a rien à faire. Mais nos vies sacrifiées et nos places saturées, nos routes éventrées pour un... Voilà, celui qui veut, moi je n'ai pas besoin de votre argent. Celui qui veut aider Crépin, je donne le numéro. Lui-même il envoie le RTL Monnaie. Celui qui veut aider pour le décès de Stéphane, je donne le numéro. Je n'ai pas besoin que vous m'envoyez votre argent, moi-même j'en ai. Donc, je vous donne le numéro, vous m'appelez, je vous donne le numéro, vous vérifiez, ce sont leurs noms là-bas, c'est pour eux. Moi, je n'ai pas besoin de conserver, de dire je veux organiser, non, non, non. C'est ça la meilleure méthode. Vous demandez le numéro, vous-même vous faites le transfert. Tout le monde sait faire le transfert. Moi, je n'ai pas besoin, organisons, envoyez. Non, je n'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai mes soucis à régler. Donc, si vous voulez aider Stéphane, vous voulez aider Crépin, je vous donne un numéro. Vous vérifiez, vous allez trouver. Ce sont leurs noms qui sont là-bas. Je n'ai pas besoin de m'envoyer leur argent. Voilà. Je pouvais vous donner mon numéro, que m'envoyer. Mais dans nos esprits, nous ne sommes pas encore assez mûrs. Beaucoup vont penser que c'est des détournements. Moi, je suis pas, moi, j'ai pas l'esprit là. Moi, je peux trouver une caisse d'argent posée là. Je passe mon chemin. Moi, on ne m'a pas éduqué à ramasser l'argent d'autrui. On ne m'a pas éduqué comme ça. Voilà. C'était le soldat Mombo, matricule 001. Je suis là pour défendre le Gabon, pour la libération du Gabon. Voilà. Plus on est organisé, la dictature se fragilise et la dictature tombe. Avec nos cotisations, on peut faire
Beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup de choses capables de faire tomber la dictature. Organisons-nous. Oui, si dans un, il y a une solution pour lui. On peut sortir. Si on est organisé, il y a une solution pour Sidor Zang. On peut tous bloquer Sidor Zang. Tout le monde, on bloque. Déjà, moi, je suis allé voir ses publications. Il n'y a personne là-bas. On l'a vomi, on l'a rejeté. Peut-être le petit endroit, il trouve encore à faire son petit bruit, c'est peut-être sur ma page. Mais moi, ce gars-là, il m'a dérangé. Il m'a dérangé. Voilà. Donc c'est pourquoi je le conserve encore. Je conserve encore Sidor parce qu'il m'a vraiment dérangé. On se connaît pas. Lui et moi, on s'est jamais vu. On n'a rien ensemble. Mais regardez comment il se comporte. Moi, son enfant mourait de faim. Il a envoyé sa copine venir me secouer pour envoyer. J'ai failli envoyer 100 000 à Sidor Zang. J'ai failli. Voilà. Donc, on est ensemble. On s'organise. Et on chasse la dictature. Voilà. Il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas de méthode. Ping, à lui seul, il ne peut pas chasser ces gars-là. Il faut des soutiens. Avec des méthodes pacifiques. Si vous mettez la violence, si vous mettez la violence dans ce que nous sommes en train de faire, vous mettez la violence dedans, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir parce que la violence appelle la violence. On ne va pas s'en sortir. Donc, faisons des choses pacifiques. Organisons-nous par petits groupes. Je vais vous prendre encore un exemple. Vous avez vu le phénomène de braquage, le phénomène des petits bangandos là. C'est un truc qui marche parce que ces gars-là ont compris qu'à 2, à 3, à 4, hein, en gros à 5, ils peuvent neutraliser, même si c'est des enfants de 10, 15, 20, entre 10, 15, hein. Quand ils sont en groupe comme ça, toi l'adulte, tu arrives. Ils t'encerclent, chacun sort avec son petit couteau. Parfois, ils ne sont même pas armés. D'autres, c'est souvent avec des simples bouteilles. Mais c'est parce qu'ils ont compris le truc. Ils marchent ensemble. C'est pourquoi le phénomène là, ils ont du mal, les autorités ont du mal à renverser ça, ils ont du mal à machin. Il n'y a pas la magie dedans. Il n'y a aucune magie là-dedans. Oh, là, c'est le bâtard de... Zorik, c'est le bâtard de Sidor, là. C'est le mendiant. C'est lui qui n'a rien à faire de sa vie. Il passe son temps à demander les 500 francs aux gens, à gauche, à droite. C'est celui-là qui se lève pour venir... voilà. Donc, Joël, effectivement, c'est ça le truc. Parce que même, il s'appelle comment, Obiangema, il avait posé la question, mais l'histoire de Cool Mondias là, c'est quoi? C'est quoi? Ça n'a pas le sens, c'est pas des humains, mais tous les jours, Cool Mondias. Donc depuis la Guinée, Obiangema sait qu'il y a des Cool Mondias au Gabon, que Bongo père, Bongo fils n'ont pas pu éradiquer. Parce que c'est des petits groupes organisés. Donc on demande aux Gabonais de faire la même chose. Quand nous sommes en petits groupes comme ça, c'est facile de détecter les comment vous les appelez? C'est quoi le terme encore? Les taupes. C'est facile de déterminer que là, il y a une taupe dans notre groupe. C'est facile. Mais quand on est des milliers, imaginez quand on se retrouvait chez le président Jean Ping au plus jeune, étaient des milliers. Mais il y avait les intrus infiltrés.
Alors qu'un groupe comme ça, des petits groupes, on sait qui est qui. On sait qui est qui. Voilà. Donc, moi, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Vraiment de grâce, organisons-nous. Organisons-nous. Voilà. Kabou, dictature inavouée, où la liberté est bien emprisonnée. Les dirigeants parlent juste pour s'entendre parler. Il nous faut la paix, arrêtez donc de crier. Baisse le mauvais. Et nos classes saturées, nos routes éventrées pour un pays en paix. Baisse le monde, 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 Gabon, dictature inassouvie. Bon, à demain.